Bonjour et bienvenue à ce webinaire de Canfit Pro, les principes de base de l'alimentation, la base de l'éducation nutritionnelle. Section 8 de 10, les micronutriments, les minéraux. Rappelons que ce webinaire est rendu possible grâce à la collaboration de Rob McDonald, Dave Nelson et Andrea Thatcher. Les minéraux de la terre à notre organisme. Quel est le rôle et les fonctions des minéraux? Les minéraux sont des substances inorganiques essentielles à l'organisme en petite quantité. Bien que le corps humain présente certains minéraux en abondance, par exemple le calcium des os, il ne peut produire les minéraux et c'est pourquoi la consommation est recommandée afin d'éviter toute carence. Le calcium, par exemple, peut être consommé sous l'une des formes suivantes. Végétal, comme le brocoli, animal, comme les sardines, ou en supplément, comme des comprimés de calcium. Passons maintenant aux catégories de minéraux. Il existe 17 minéraux essentiels. D'abord, les 7 macro-minéraux requis en plus grande quantité, le calcium, le magnésium, le potassium, le soufre, le chlore, le phosphore et le sodium. Ensuite, les 10 micro-minéraux requis en faible quantité, soit le chrome, le cuivre, l'iode, le molybdène, le silicium, le cobalt, le fer, le manganèse, le sélénium et le zinc. Les électrolytes. 4 minéraux jouent un rôle vital afin d'équilibrer les fluides corporels et ils sont le sel, le potassium, le calcium et le magnésium. La consommation de ces minéraux, grâce à l'alimentation et des suppléments, est essentielle à la santé ainsi qu'aux performances du corps humain, particulièrement pour les sportifs, s'adonnant à des épreuves d'endurance ou à des activités sous de chaudes températures. Dans la prochaine section, l'alimentation au quotidien. Pour plus d'informations sur Canfit Pro, visitez le canfitpro.com ou composez le 1-800-667-5622.